Bonjour. Alors, je suis chargée de recrutement au sein de Petit Forestier. Aujourd'hui, Petit Forestier est leader dans la location de matériel frigorifique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans notre structure, on est 4500 collaborateurs, 275 agences présentes dans le monde, dont juste 158 en France. En termes de chiffres clés, plutôt 718 millions d'euros de chiffre d'affaires, et on a un rayonnement autour de 22 pays. Tout d'abord parce qu'on est partenaire de l'ESCE, International Business School. L'ESCE permet à Petit Forestier d'avoir un réseau de talents, de découvrir des talents et des talents qui croient en nos valeurs. C'est-à-dire aujourd'hui, une personne qui intègre Petit Forestier, c'est une personne qui a un sens du service certain, un sens du respect, la passion, une réactivité. Donc voilà, et puis l'expérience à l'international qu'on peut lui offrir sont des éléments très importants pour nous. Et voilà, l'ESCE aujourd'hui est un vivier de talent pour Petit Forestier. Les compétences qu'on va rechercher, puisque dans le cadre des cours que vous proposez du supply chain, de la finance, de l'export management. Donc tous ces éléments-là sont tout particulièrement intéressants pour nous, puisque on se développe de plus en plus à l'international. Comme je vous l'ai dit auparavant, on est présent dans 22 pays, aussi bien en Afrique qu'en Amérique du Nord, les Émirats arabes unis aussi, on vient d'y mettre un pied, et puis toute l'Europe. Donc voilà, des profils qui ont des compétences linguistiques rares aussi sont très recherchés par Petit Forestier. De ce fait, les étudiants de l'ESCE correspondent vraiment à nos critères de recherche. Cela passe par les événements que vous faites, donc on est tout le temps présent puisqu'on est partenaire. Et puis ça passe aussi par des événements qu'on organise. L'année dernière, on avait fait l'Export Management 2019. C'est important que nous puissions mener ce partenariat-là et développer l'ensemble de nos relations, que ce soit sur le plan international que national d'ailleurs, puisqu'on propose aussi des postes pour le réseau France. Alors, les types de missions que nous proposons, c'est en général soit des VIE sur la partie plutôt internationale. Aujourd'hui, j'ai à peu près entre 35 et 40 demandes de VIE, soit sur des postes en business development, des postes en exploitation, des postes de responsable d'exploitation, en finance aussi sur la partie recouvrement, credit control. Donc voilà, c'est des opportunités en VIE, c'est des opportunités dans le cadre d'un graduate programme. Le graduate programme à l'international où on propose une formation sur mesure dans le but de faire des étudiants, des directeurs de site. Et ce graduate programme aussi se fait sur le réseau national où vous pouvez aussi gérer un centre de profit en toute autonomie. Donc voilà, à côté de cela, on propose des projets, des postes en alternance, des postes des stages. Donc voilà. Tout est fait dans le but que l'étudiant, en tout cas, puisse nous accompagner dans notre développement. Et puis voilà, on est créateur d'aventures humaines, donc c'est tout à fait naturel de pouvoir recruter des personnes qui pourront nous accompagner dans cette aventure. Totalement. Je dirais même que c'est le but ultime de pouvoir recruter à la fin.
puisque l'intérêt, c'est de vous former à notre métier, de vous accompagner et à la fin, de vous garder avec nous, puisque vous avez appris plein de choses avec nous, vous avez su démontrer de vos capacités professionnelles. Donc le but de l'ensemble de nos besoins aujourd'hui, c'est de vous garder. Il ne faut pas avoir... qu'on promeut vraiment la mobilité interne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous pouvez commencer en France, terminer aux États-Unis ou commencer en Italie, continuer en Angleterre. Donc c'est totalement possible, le champ est ouvert pour tout le monde. Et notre objectif, justement, par le biais de ces recrutements là par le VIE, par les graduate programs et tout ça, c'est vraiment de pouvoir vous avoir avec nous à la fin sur du long terme et de monter en compétence et de grandir avec nous.